for the meeting. Qu'est-ce que vous avez eu hier? Vous l'avez écrit, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez eu hier? Pauvreté matérielle. Oui, alors. Alors, qu'est-ce que vous avez eu sur la table? Vous avez vos notes, hein, donc. Vous avez vu Romain 5 sur la pauvreté matérielle, Romain 5. Romain 5 à partir du calme verset. D'accord, Romain 5, ça. Exode 1. 26, 28. Ok. À part la pauvreté matérielle, qu'est-ce que vous avez vu? On a vu un peu le prophète Jérémie. Jérémie, on a un peu étudié le prophète Jérémie. Jérémie, c'est par rapport à son appel. Par rapport à son appel. D'accord. Sa mission. Mm-hmm. D'accord. La mission qu'il avait, c'était la réforme. D'accord. Et puis, par rapport au roi. Le roi, par rapport à la réforme. D'accord. Le roi, le. Que, d'accord, la fonction du roi par rapport à la pauvreté, le rôle qu'ils avaient pour pouvoir subvenir aux besoins. D'accord. De Samuel. Ok. Oui, Genèse 1. Tu as fait son sondage. Ok, bien. Quel autre point vous avez vu par rapport aux missions de prophètes, de rois? La responsabilité des chrétiens qui doivent poser les actes. Les actes que vous devez poser. Alors dans l'évangile, qu'est-ce que vous avez vu comme... Galates 2, verset 10 pour les recommandements. Pardon? Galates 2, verset 10 pour les recommandements. Galates 2, 10. Luc, combien? Vous l'avez étudié? Mathieu, on va plutôt. Dans Mathieu, dans Luc. Donc nous allons essayer de revoir alors nous allons reprendre Genèse 1. Je suis né, il y a des gens qui ne verront que cet extrait, donc c'est bien qu'on revienne sur les bases. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire Genèse chapitre 1er, du verset 26 au verset 28? Alors, puis Dieu dit, 26 à quel verset? À 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rentre sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur toute bête qui se meut sur la terre. Amen. Alors là, nous avons vu que Dieu avait créé l'homme à son image. Donc, ce que vous avez vu, c'était par rapport à le Dieu, c'est un Dieu créateur, et il a créé l'homme à son image. Et donc, nous sommes faits à l'image de Dieu. Alors, je crois que les points que nous avons développés sur ces trois premiers jours, c'était de comprendre que Dieu
est un créateur. Dieu, il est bon. Dieu est juste. C'était les trois points que nous avons, qui ont été développés. Alors, dans la création de Dieu, on a vu que l'homme, quel que soit l'homme, parce qu'au commencement, il n'y avait pas l'Église. Donc, dans l'homme, il y a cette capacité de créativité. Et nous avons vu que dans la pensée de Dieu, que Dieu, Dieu est bon, et il a donné à l'homme la bonté. Donc, c'est quelque chose qui est dans l'homme. Et nous avons vu le troisième point, c'était que dans l'homme, il y a cette capacité à refuser l'injustice. Donc, l'homme est sensible à l'injustice. Voilà. Nous allons prendre Deutéronome 10. Vous allez écrire pour la méditation, vous allez marquer Deutéronome 10, de 12 à 22. Par contre, nous allons lire seulement du 17 à 19. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire Deutéronome 10, verset 17 à verset 19? Car Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le fort, le grand, le puissant, et le redoutable, qui n'a point d'égard à l'apparence des personnes, et qui ne prend point de présent, qui fait justice à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger, et lui donne le pain et le vêtement. Vous aimerez donc l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Amen. Voilà, là, le Seigneur est en train de nous dire encore qu'il est le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Il est fort, il est puissant, mais ce qu'il demande, c'est qu'on fasse justice à l'orphelin, à la veuve, parce qu'il est le Dieu qui aime l'étranger et qui donne le pain et le vêtement. Il a dit donc que nous devons aimer les étrangers car nous étions étrangers en Égypte. Hein? Donc vous voyez que nous aussi, les seigneurs nous parlent de la même manière. Nous allons prendre Deutéronome 24. Là aussi, nous allons, dans la méditation, vous lirez de 10 à 22, mais nous allons lire du verset 17 au verset 19. Quelqu'un d'autre peut lire du verset 17 au verset 19. Tu ne feras pas d'injustice à l'étranger, ni à l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve, et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que Yahweh ton Dieu t'a racheté de là. C'est pourquoi je t'ordonne de faire ces choses. Quand tu moissonneras dans ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans ton champ, tu ne retourneras point la prendre, elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que Yahweh ton Dieu te bénisse dans toute l'œuvre de tes mains. Amen. Amen. Voyez un peu encore comment le Seigneur est en train de parler encore aux enfants d'Israël par rapport à la loi qu'il a donnée. Il dit que tu ne feras pas d'injustice à l'étranger. Vous avez remarqué que parce qu'il ne faut pas oublier hein, le thème, hein, donc nous reviendrons parce que nous allons parler beaucoup de l'évangile, mais nous reviendrons à chaque fois par rapport à notre thème. Ça veut dire quel que soit ce que nous verrons, nous allons voir un peu la justice de Dieu par rapport à tous ceux qui sont pauvres. Donc nous allons déterminer les pauvres à chaque fois. Il faut revenir sur le fait que les pauvres, c'est les orphelins, les veuves, les femmes, les malades, les prisonniers, les étrangers, les opprimés. Vous voyez, donc à chaque fois, on va revenir sur ces choses. Et, des grâces, hein, on est souvent très, très spirituel. Là, c'est vraiment un enseignement sur du concret. Donc, à chaque fois, on va revenir sur du concret, mais qu'est-ce qu'on doit faire réellement? Parce que sur le spirituel, je pense, là, je m'adresse vraiment à des hommes et des femmes qui ont reçu le Seigneur, des hommes et des femmes zélés, dans l'amour du Seigneur, très spirituels. Mais là, nous sommes sur le concret, parce que quand le Seigneur était en train de parler dans Genèse, il s'adressait
à sa créature. Donc là, ça a été écrit pour tout le monde. Donc là, il n'y a pas la notion d'église. Nous le verrons par rapport à la justice. D'ailleurs, nous allons le prendre pour comprendre un peu. À chaque fois, le Seigneur dit, tu feras justice. Il dit que tu ne feras pas d'injustice à l'étranger. Donc là, il est en train de nous dire que nous ne ferons pas l'injustice à ces gens-là. C'est comme si quelqu'un qui est orphelin ou veuve, le Seigneur te dit que tu ne lui feras pas d'injustice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu n'as rien fait de mal, en fait. Mais tu ne lui apportes pas assistance. Le Seigneur te dit que tu ne lui fais... Tu es injuste. Tu es injuste dans ton attitude. Tu es injuste dans ta manière de te comporter. Tu es injuste dans ta manière de faire. Le Seigneur, à chaque fois, il est en train de montrer sa justice. C'est pourquoi je voulais qu'on regarde un peu concrètement, en tant que chrétien, là, parce que nous parlons bien de la pauvreté, concrètement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Mais on va à chaque fois revenir sur du concret. Hein? On va essayer de revenir sur ça. Nous allons regarder d'abord, c'est quoi la justice de Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense de sa justice? On va le survoler. Mais on va rentrer un peu sur... on va prendre Romains 3. On va essayer de comprendre à chaque fois. Je développe ces points par rapport... On a dit que Dieu, l'homme en général, est sensible à l'injustice. On va voir un peu comment le Seigneur parle de sa justice à lui. Romains 3, à partir du verset 21... Mais maintenant, sans la loi, Romains 3, verset 21, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La justice, dis-je, de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, s'étend à tous, et sur tous ceux qui croient, car il y a nulle différence. Amen. Alors, regardez d'abord ce que le Seigneur dit. Maintenant, sans la loi, et manifester la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage les prophètes et la loi. Donc ça veut dire que quand vous avez parlé de Jérémie, quand vous avez parlé de roi, quand nous avons vu dans Deutéronome, quand nous avons vu dans Genèse, on nous dit que toute la loi et les prophètes rendent témoignage à cette justice de Dieu. Donc la justice que le Seigneur veut que nous puissions rendre aux hommes, que nous ne soyons pas insensibles par rapport à ces gens-là et tout, que nous puissions rendre cette justice, ça doit être la justice de Dieu. Et il nous dit, vous pouvez lire les prophètes, vous pouvez lire la loi. La loi et les prophètes, ça rend témoignage à Dieu, ça rend témoignage à cette justice. Et cette justice est basée sur la foi en Christ. Pourquoi on doit insister sur ces points? Pourquoi on doit garder dans l'esprit que quel que soit ce que nous allons faire, quel que soit ce que nous allons faire dans le concret, il ne faut jamais oublier que ça doit être, nous le faisons parce que nous croyons, parce que nous avons foi en Christ. Pourquoi? Parce que si jamais vous vous écartez de ça, vous allez faire comme tout le monde. Parce que vous avez vu que les hommes sont bons. Ils ont cette nature de Dieu, de pouvoir manifester la bonté. Donc vous risquez de faire comme tout le monde. Vous allez voir que les hommes, ils sont sensibles à l'injustice. Si vous le faites comme dans le monde, vous risquez de faire comme tout le monde. Donc du coup, la justice de Dieu, c'est différent de la justice des hommes. La justice de Dieu est différente de l'humanisme. Facilement, vous pouvez commencer à faire votre propre justice. Nous allons voir un peu comment on devient des justiciers. Hein? Moi, je fais ça. Moi, je fais pas ceci. On va essayer, si le Seigneur permet, qu'on puisse revenir sur ces points. Parce que facilement, on devient des humanistes. C'est pourquoi dans tout ce que nous devons faire, dans tout ce que nous ferons,
c'est parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui, l'Esprit qu'il a mis en nous, qui nous pousse à faire ces choses. Sinon, on bascule de l'autre côté. Sinon, on sera comme dans les restos du cœur. Vous voyez que ce qu'ils font n'est pas mauvais. Mais nous, ce n'est pas ainsi. À chaque fois, il y a le témoignage de celui qui nous a envoyés. Il ne faut jamais oublier. Tout le temps, notre justice est basée sur la foi en Christ. Dans ce que nous faisons aux autres, parce que l'Esprit du Seigneur nous pousse à faire ces choses. Amen. 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 Parce que Jésus-Christ est en nous. C'est cet amour qui nous pousse. Puisque nous avons son esprit, puisque nous avons ses sentiments, nous voulons faire des choses comme lui. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ devient notre modèle. Amen. Jésus-Christ devient notre exemple. Nous faisons les choses comme lui, il aurait pu faire s'il était à notre place. Quand on l'oublie, on bascule. C'est pourquoi nous allons encore, nous allons continuer. Il dit, car il y a nulle différence, verset 3, il dit, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, lesquels Dieu a établi de tout temps pour être une victime de propitiation par la foi en son sang, afin de montrer sa justice par la rémission des péchés précédemment selon sa justice, selon la patience de Dieu, pardon, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents et de manière à être trouvé juste tout en justifiant celui qui a foi en Jésus. Amen. Amen. Alors, le Seigneur nous dit, là, dans sa parole, que, en réalité, nous là, nous qui disons que nous sommes chrétiens, nous sommes sauvés, il nous dit, en fin de compte, c'est une grâce. Parce que nous tous, nous avons péché. Parce qu'il a dit qu'il n'y a pas de différence hein, entre son peuple, donc ses enfants, donc ça veut dire que le peuple élu, entre ceux qui sont chrétiens et ceux qui sont dans le monde, en réalité, nous tous, nous sommes sauvés par la grâce. Il dit que tous, nous avons péché. Hein, c'est notre enseignement par rapport, parce que notre père Adam est tombé, donc nous sommes tous tombés par lui. Mais nous, nous sommes justifiés. Pourquoi? Parce que simplement, nous avons reçu la grâce en Jésus-Christ de Nazareth. C'est vraiment purement par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, dans notre marche de tous les jours, il ne faut jamais oublier que nous avons été sauvés par la grâce. Parce qu'à un moment donné, on devient oublier. On voit croire qu'on est devenu quelque chose. Juste pourquoi? Parce que tu as en face de toi un faible. Vous voyez, là, vous voyez, la notion de pauvreté, parce qu'il y aura dans cette même idée, la notion de faiblesse. On peut être aussi pauvre, mais l'autre est malade. Donc il y a la notion de faible aussi. Hein, donc là, ça sera pour les gens qui peuvent les visiter dans les hôpitaux pour voir ceux qui sont faibles. Donc, c'est dans cette catégorie-là. La notion des orphelins et de veuves, bah, tous les orphelins ne sont pas forcément pauvres. Hein, donc, je parle sur le plan matériel. Donc, mais là, nous restons hein, bibliques. Nous restons dans ce que le Seigneur nous demande. Parce que si le Seigneur considère, il le voit hein, par rapport à quand il parlait aux enfants d'Israël, donc, il voit un peu cette pauvreté par rapport à l'état de quelqu'un qui était orphelin à l'époque. Alors, la justice de Dieu. Donc là, nous avons vu que Dieu ne fait pas de différence, que nous avons été sauvés par grâce, et qu'aujourd'hui, il justifie, donc il nous justifie, parce que nous avons cru à son Fils. Alors, je voulais d'abord parler sur un point par rapport à la justice de Dieu. Regardez comment la justice de Dieu diffère de notre justice. Dieu, il nous aime pour nous faire la justice, il tue son Fils. C'est ça la justice de Dieu. Vous voyez comment ça se diffère de la justice des hommes. Dieu nous aime tellement, mais pour nous faire la justice, il tue son Fils. C'est ça la justice de Dieu. Ça peut paraître... C'est Dieu, il le dit. Hein. Donc, il fallait que quelqu'un meure pour que nous puissions avoir la justice. Donc, vous voyez un peu
les choses qu'il peut te demander pour pouvoir rendre justice. Mourir à soi. Amen. La justice de Dieu n'a rien à voir avec la justice des hommes. Nous allons prendre Romains 9. Qu'on lise carrément à partir du verset 26. Quelqu'un peut lire à partir du verset 26. Et il arrivera qu'au lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là ils seront appelés les fils du Dieu vivant. Aussi, Esaïe s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un petit reste seulement sera sauvé, car le Seigneur amènera au but et abrégera la terre avec justice. Il exécutera rapidement sa parole sur la terre. Et comme Esaïe avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome et nous aurions été semblables à Gomorre. Que dirons-nous donc ? Que les gentils qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice et la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui cherchait la loi de la justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres de la loi. Car ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion la pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et quiconque croit en lui ne sera pas confus. Amen. Bon. Je voulais qu'on lise un peu ce que Esaïe disait. De 26, hein, on a lu Romains 9, de 26 au verset 33. Au verset 30, il dit, que dirons-nous donc ? Que les gentils qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice et la justice qui vient de la foi. On nous dit là quoi ? Nous les gentils, donc ça veut dire les nations païennes. Nous avons obtenu la justice de Dieu. Parce que simplement nous avons une foi en Christ. Mais Israël qui avait reçu la loi, Israël qui avait reçu les prophètes, ne l'a pas obtenu. Pourquoi ? Parce qu'il a cherché la justice qui vient de la loi. Attention, quand nous allons faire nos œuvres, quand nous allons marcher en train de vouloir faire les choses pour nous, il ne faut jamais oublier qu'il y en a d'autres qui ont voulu chercher la justice de Dieu parce que ça ne sauve pas. Mais nous, nous le faisons parce que c'est le Seigneur qui nous pousse. Tu es sauvé parce que tu as cru en Christ. Et l'amour de Christ te pousse à faire des choses. Et c'est ces choses-là que tu fais. Nous n'allons pas devenir des justiciers. Parce que Israël a cherché la justice qui vient de la loi. Et ils se sont heurtés aux pierres d'achoppement. Ils se sont heurtés à Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Donc la justice que nous cherchons, c'est la justice qui vient de la foi en Christ. Et il dit dans Romains 10, je lis à partir du premier verset, « Mes frères, quant à la bonne affection de mon cœur et à la prière que j'ai faite à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés, car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. » Parce que connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui fera ces choses vivra par elle. Mais voici comment s'exprime la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel et en faire descendre Christ ou qui descendra de l'abîme. C'est faire remonter Christ entre les morts. Mais que dit-elle ? La parole qui est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, voilà la parole de foi que nous prêchons. C'est pourquoi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
selon qu'il dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Amen. Amen. La justice qui vient de la foi en Christ. Donc quand nous ferons nos œuvres, hein, parce que bientôt nous allons parler concrètement comment on va essayer d'appliquer cette justice. Donc nous disons que c'est... Qu'est-ce que je veux dire pour être concret? Ça veut dire que quand bien même nous donnerons à manger, à boire, et tout, ça sera pour témoigner de Christ. Parce que le faire sans Christ, c'est exactement ce que le monde fait. Nous, nous témoignons de Christ. C'est l'amour de Christ que nous témoignons en faisant les œuvres. Parce que nous voulons, comme Jacques l'a dit, nous voulons que les œuvres que nous allons faire, hein, donc la foi que nous avons, soit accompagnée des œuvres. Mais ces œuvres inspirées, poussées par l'Esprit que nous avons reçu, Amen. Par Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est important. Pourquoi? Parce que ces sentiments d'injustice-là, nous l'aurons. Nous ne voulons pas montrer aux hommes que le président de la République actuelle est en train d'échouer. C'est pas ce que nous voulons démontrer. Nous ne voulons rien démontrer. Nous voulons témoigner de quelqu'un. Parce que ça sera ça toujours le problème. Alors, je parle du monde. Nous ne voulons pas démontrer à nos frères et sœurs, parce qu'on nous regardera, hein, parce que nous n'aurons pas tous les mêmes appels, nous n'aurons pas tous la même compassion. Il y en a d'autres qui l'ont reçu en don. Donc, nous ne l'aurons pas tous, mais on peut travailler. Hein, il faut savoir que les fruits, ça se travaille. Hein, tout ce que nous recevons, les dons, on peut recevoir tous des dons, mais les fruits, nous avons tous les mêmes fruits, il faut travailler. Les fruits, il faut travailler. Les dons, on le reçoit, les fruits, il faut travailler. N'importe quel fruit, il faut travailler. Et ça, les fruits, c'est tous la même chose. Ça se manifeste de la même chose. L'amour, ben, celui qui manifeste l'amour, ça sera de la même façon. Celui qui manifeste la tempérance, ça sera toujours. Celui qui est bon, hein, manifeste la bonté, ça sera nous. Toutes les personnes qui manifestent la bonté, c'est la même manière. C'est le même fruit. Les dons, ben, tu peux ne pas avoir un don. Donc, nous ne voulons pas démontrer aux autres ce que nous faisons. Sinon, on bascule dans l'orgueil. Oui. À chaque fois, il y a un danger dans ce que nous pouvons faire, dans ce que nous allons faire par la suite. Nous ne voulons pas démontrer au monde quoi que ce soit. Nous témoignons de quelqu'un et les fruits, la vie que nous allons manifester, parlera d'elle-même. Amen. Amen. Maintenant, nous allons voir, alors, concrètement, hein, c'est pourquoi j'avais posé la question tout à l'heure, si vous en avez parlé dans Matthieu 25, nous allons essayer de voir dans Matthieu 25, verset 31, on va voir en réalité, on peut le voir jusqu'à la fin, mais on va lire tout doucement. Amen. Matthieu 25, je lis à partir du verset 25, 31 pardon. Or quand le Fils de l'homme viendra environné de sa gloire et accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger.
j'ai soif, vous m'avez donné à boire. Amen. On s'arrête là. On s'arrête là. On va essayer de voir concrètement. Là, on va essayer de voir concrètement. Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. On va essayer de voir concrètement comment, parce que la réponse, il le donne, hein, parce qu'il dit qu'à chaque fois que, c'est au verset 40, au verset 40, il dit, et le roi répondra et leur dira, je vous le dis en vérité, toute le fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Alors, on va essayer de voir, parce que cette question nous sera donnée, demandée devant le Seigneur. C'est du concret, ça. Ce qu'il dit là, c'est concrètement ce qu'il va nous demander quand nous serons devant lui. Il nous dira, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Alors, parlons concrètement, comment on peut donner à manger et comment on peut donner à boire. Concrètement, ce que nous pouvons faire concrètement. Parce que ça, c'est ce que nous allons faire, ou bien ce que vous, certains font déjà. Alors, comment on peut donner à manger? Premier point, comment on peut faire pour donner à manger? Donner à manger aux pauvres, c'est de s'occuper des pauvres, donner à manger aux veuves, aux orphelins. Comment? En leur donnant... Oui, en leur donnant à manger. Comment? Ça veut dire que là, aujourd'hui, comment tu peux faire pour donner à manger? Faire des courses. Les visiter. Alors. Vous voyez comment? Alors, la difficulté, c'est quoi? C'est que, est-ce que vous en croisez? On peut commencer par prier. Ah, le premier point, prier. Prier. Ça, c'est... Donc, nous pouvons prier. Ça, c'est du concret. Quand on prie pour les pauvres, les veuves, les orphelins, c'est du concret. Ça veut dire que ça se passe dans les secrets. Donc, le premier point, la prière. Parce que dans l'œuvre de Dieu, vous savez, quand vous priez beaucoup pour réaliser, vous pouvez avec... Ça peut être facile pour réaliser ces choses. Mais si vous voulez faire beaucoup de ces choses sans la prière, ça sera difficile. Ça sera petit. En voulant faire beaucoup de ces choses sans la prière, ça va se solder à une petite chose. Mais si on prie beaucoup, quand on va commencer à travailler, vous allez voir comment le Seigneur agira dans cette vie. Il faut beaucoup prier pour pouvoir faire ces choses. Pour que le Seigneur vous accompagne toujours dans ce que vous faites. Alors là, c'est un premier point concret. Donc ça se passe dans les secrets. Deuxième point, concrètement. Ça veut dire quand on dit, je vais donner à manger et à boire aux orphelins. Concrètement, comment tu fais pour donner à manger ou à boire? Concrètement, comment tu fais? En leur présentant la parole de Jésus. Il faut qu'on ait. Mais comment vous faites? Je sais pas. S'approcher de. Mais comment? Déjà avoir des connexions avec les enfants. Il faut savoir déjà où aller les trouver. Oui. Alors comment? Maintenant, vous allez donner, parce que moi je veux du concret. Parce que le Seigneur dit, vous m'avez donné à manger à boire. Donc je veux du concret. Alors, moi je vais vous donner le premier point. On peut donner l'argent pour leur donner à manger à boire. Donc on peut donner l'argent. Parce que le Seigneur peut te donner les moyens, mais pas forcément aller travailler. Tu donnes l'argent pour que ça se fasse. Donc ça veut dire que tu leur donnes, tu sais pourquoi tu donnes ton argent. Je donne mon argent pour qu'on puisse s'occuper de veuves, des orphelins. Donc, concrètement, tu les finances. Donc, concrètement, tu sors l'argent, tu donnes les finances là où il y a Dieu. Parce que je ne veux pas vous limiter, hein, en vous donnant le nom de là où vous allez donner l'argent.
Donc, concrètement, ce que vous pouvez faire, c'est avec vos finances. C'est du concret. L'argent, là, sortira de votre poche. Donc, si c'est tout le mois que vous sortez l'argent, c'est du concret. Donc, par vos finances, vous donnerez à manger et à boire. C'est du concret. Donc là, il faut que concrètement, que vous donniez de l'argent. On peut dire que non, je n'ai pas les moyens. Donc, concrètement, je n'ai pas... Financièrement, j'ai pas les moyens. Donc, autre chose. On va disposer du temps pour eux. Disposer du temps. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler pour leur donner à manger, à boire. Donc, c'est du concret. Donc, ça veut dire que j'ai pas d'argent, mais je travaille pour pouvoir les nourrir. Donc, je donne de mon temps pour pouvoir m'occuper de c'est du concret. Donc, concrètement, on prie. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre le temps pour prier pour les pauvres, les veuves, les orphelins, les réfugiés. Donc, quand les Syriens viennent, on ne les chasse pas dans nos cœurs. On dit, mais non, mais ils viennent remplir 1 million, vous vous rendez compte? C'est trop, non, on n'aura plus d'espace pour nous-mêmes. Non, c'est pas, il ne faut jamais oublier que vous étiez vous aussi étranger. Amen, amen, amen. Vous étiez aussi en Égypte et que le Seigneur vous a sorti par sa main puissante. Vous avez oublié. C'est pourquoi le Seigneur nous rappelle à chaque fois que ben, vous étiez aussi dans le monde, mais je vous ai sauvé, je vous ai sorti des mondes. Donc concrètement, on peut donner l'argent. Concrètement, on peut travailler pour s'occuper de... Concrètement, un autre point. Là, nous parlons de manger et boire. Donc vous verrez que quand on va changer d'autres aspects de... que le Seigneur nous demandera... Vous verrez... Pardon. Là, on va voir quand on va parler des fêtes, parce qu'il n'a pas. Les habiller. Non, là, comment? On parle à manger. Allez, de reçu. On a parlé de manger. Oui, donner à boire, à boire et à manger. Donc là, on donne l'argent pour pouvoir financer. On donne l'argent, on dispose son temps pour aller leur donner à manger physiquement, parce que des fois, si on a des coins, il faut aller les chercher là où ils sont et aller préparer pour eux, nettoyer des choses pour leur donner à manger. Et puis, les structures là où vous travaillez. Vous voyez que nous sommes en train de parler là, il faut donner de l'argent. Mais vous pouvez le créer. Rappelez-vous que ça sera à chaque fois créativité, bonté, justice. Donc, à chaque fois qu'on verra plusieurs points, il y a des moments, c'est, ben, il faut le mettre en place pour pouvoir s'en occuper. Donc, ça veut dire que quand vous allez le faire, c'est du concret. Donc, ça veut dire que vous avez mis en place quelque chose pour s'occuper, pour donner à manger. Donc, c'est possible aussi que vous puissiez mettre en place des structures pour s'occuper des pauvres. Si vous priez pour que le Seigneur vous aide à le mettre en place, priez beaucoup, ça deviendra facile. Parce que le Seigneur sera dans l'affaire. Ça, c'est du concret. Alors, il y a un autre point. Et dit, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. L'hospitalité. Oui. Au verset 36, il dit, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité. On s'arrête, puisque là, il y a... Oui, ça, c'est deux styles de problèmes. Alors, c'est du concret. On revient encore concrètement. Vous voyez? C'est simple, hein, quand il dit j'étais malade, ben, j'étais nu, hein, ou bien j'étais étranger, vous m'avez recueilli, donc l'hospitalité, j'étais nu, vous m'avez vêtu, et j'étais malade, et vous m'avez visité. Alors, la visite des malades, c'est du concret. Alors, comment concrètement on peut faire la visite des malades? Concrètement. Se déplacer, aller dans les hôpitaux, prier. Il faut se déplacer. Vous voyez, dans la théorie, on peut lire ces choses. C'est ça, comme c'est qu'on le lit. Mais le concret, c'est que tu dis, mais oui, parce que je me suis rendu compte que dans une année, je soutiens ou bien je viens en aide les gens qui sont endeuillés. Je veux plus voir les gens, ou bien j'appelle beaucoup plus les gens qui sont endeuillés que d'aller voir les gens qui sont malades.
tu te rends compte qu'on va beaucoup plus visiter les gens qui sont éprouvés que d'aller visiter les gens qui sont malades. Visite dans les hôpitaux, ben on les oublie. Oui, effectivement, il y a... vous aurez des barrières. Vous aurez des barrières, on vous dira que non. Vous ne pouvez pas venir de vous-même comme ça, rentrer. Il faut... ben, c'est une association qui peut venir. Donc, on est... donc vous êtes obligé concrètement de faire les choses que nous avons vues tout à l'heure. De mettre en place eh ben oui, une structure pour pouvoir visiter. Et concrètement, vous pouvez la voir et puis ne jamais y aller. Et concrètement, d'aller visiter le malade. Alors là, j'ai pris les malades dans les hôpitaux. Mais il y a autre chose qu'on oublie. Mais dans la famille. Dans la famille. Et oui, on oublie ça. Et oui, dans la famille, dans l'entourage. Mais on doit être aussi des hommes et des femmes qui vont visiter, vous savez, ces choses-là. C'est du concret. Vous allez voir que je pense quand même que le Seigneur est là. Il est en train de nous mettre les choses. Je veux vraiment que vous puissiez vous dire que concrètement, quand il y a des malades dans la famille, bien même dans les quartiers, vous avez le droit d'aller visiter ces gens-là. Le Seigneur, quand il demandera, j'étais malade, vous pouvez dire concrètement, j'allais rendre visite aux malades. C'est du concret. Aller rendre visite aux gens qui sont malades, mais concrètement. Vraiment. Donc ça veut dire que, ah, j'ai entendu qu'il y a une soeur, son fils est malade. Non, il y a une soeur qui est malade et tout. Là, dans la famille, mon cousin, madame, tu vas aller rendre visite concrètement. Donc ça veut dire que tu te déplaces. Après le travail, tu vas à l'hôpital. Concrètement. Si on est au courant. Donc il faut prendre du temps. Vous voyez, chaque fois, ça demande des choses. Parce que sinon, on ne le fera jamais. C'est aussi simple qu'on en parle comme ça, mais il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Alors, il y a des gens qui sont hospitalisés 3 jours. Ils sont hospitalisés mardi, ils sortiront vendredi. Ben, si tu attends le week-end d'aller voir à la maison, voilà. C'est vrai. Donc, il faut y aller. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un temps après le travail pour passer aller voir. La personne du travail, mais c'est pas possible. Tu reviens du travail, tu verras que non, je reviens du travail, je viens immédiatement te voir parce que si j'arrivais à la maison, j'allais pas pouvoir revenir encore. Donc ils voient qu'on peut dire, c'est pas possible. J'ai passé toute la journée parce que, à un moment donné, dans les hôpitaux, vous imaginez un peu comment nous on est occupés pour nos propres familles. Alors, imaginez, il y a des gens, ils rentrent à l'hôpital, ils sortent et il n'y a personne qui est venu. Ça peut être aussi à domicile aussi. Oui, parce qu'il y a des gens qui continuent, la convalescence continue. C'est du concret. S'il vous plaît, là, c'est des choses, on le lit. On le sait. Mais si on ne se... Vous avez vu, par rapport à Israël, il faut être zélé pour faire ces choses-là. Il faut vraiment vouloir le faire. Je voulais vraiment qu'on parle des choses spirituelles, mais qu'on revienne sur le concret, sur le réel. Comment on fait? Comment je vais le mettre en pratique. C'est possible et c'est pas très compliqué. Parce que je me suis rendu compte que à un moment donné, oui, le Seigneur peut me bloquer. Il y a un programme de prière. Et puis en même temps, il y a un cas qui demande, par exemple, il faut aller voir quelqu'un. Mais puisque mardi ou jeudi, on a prière, mais on a quelqu'un qui est à l'hôpital, on se dit non, nous avons prière aujourd'hui. Quand je vais aller rendre visite à ses frères, à cette soeur, et on va prier sur la scène. On va prier là-bas, je vais réconforter quelqu'un, on va prier ensemble, là-bas. Je vais dire non, il y a prière aujourd'hui parce que c'est un frère qui prie avec nous. Il y a prière aujourd'hui. Tu sais qu'aujourd'hui nous avons prié tout. Bien. Bon, je profite comme on est là, mais on va prier. Parce que les autres là-bas sont en train de prier. Il y aura un sujet de prière par rapport à toi aussi parce qu'ils sont au courant que tu m'aimes. Tu vas aller lui rendre visite. Ça se voit, ces choses-là. Alors, une chose dont je vais peut-être choquer, je me suis rendu compte que les gens qui se plaignaient, parce que j'ai vu des gens partir en disant que moi j'étais mal, ils ne sont pas venus me voir. Mais quand on gratte, mais ça fait 3-4 ans qu'on est avec toi, tu n'as jamais été voir quelqu'un à l'hôpital. Et tu es fâché parce que tu étais malade, personne n'est venu te voir. Vous savez pourquoi ça nous arrive? Mais parce que les frères et sœurs ne sont pas zélés pour aller rendre visite aux autres quand ils sont malades.
On aime bien avoir des nouvelles des uns des autres, mais à l'assemblée. Et ça s'arrête là. Ah, tu t'es malade, j'ai appris que tu étais malade et tout. Mais oui, mais oubliez de savoir seulement que tu étais malade, que vous puissiez vous retrouver dans la semaine ou bien le dimanche après, allez, rendre visite à la personne qui est malade. Ça encourage. Et là, moi, je veux rester par rapport à ce que je lis là. Le Seigneur nous dit, qu'il nous dira que j'étais malade et vous m'avez visité. Je me dis, mais le Seigneur, c'est... Il me dit, à chaque fois que vous aurez fait ça, c'est au Seigneur qu'on fait. Donc, à chaque fois qu'on le fera, c'est au Seigneur qu'on le fait. C'est ça qu'il faut retenir. Le Seigneur dit, toujours, hein, je prie, Seigneur, c'est par ta parole, hein, que je vais aller voir le frère et le saint, c'est parce que tu me le demandes dans ta parole. Tu vas rendre visite. C'est du concret. Moi, je sais qu'on est très spirituel, mais là, vraiment, je veux qu'on revienne sur ces choses. C'est pourquoi, vous voyez, je prends du temps parce que c'est le plus important. Tout ce que nous faisons, la pauvreté, donc, la responsabilité du chrétien par rapport à la pauvreté, donc dans la pauvreté, on a vu la faiblesse. Hein. Donc là, on est en train de voir vraiment du concret comment faire. C'est aussi... Ben, c'est ça. C'est ça. Amen. Alors, nous continuons. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Ah, je pensais, je dis, ouais, la prison en France, c'est très compliqué. Oui, effectivement, à chaque fois, on aura des problèmes, des structures pour aller rendre visite aux gens dans la prison. Il faut des structures. Vous ne pouvez pas décider comme ça d'aller voir. Donc, c'est possible, ça existe. Hein, ça existe même au milieu de nous, ça existe. Mais il faut le mettre en place. Vous pouvez le mettre en place. À chaque fois, on revient sur la même chose. Ah ben, il faut se donner les moyens. Et puis, il faut se donner du temps. Si vous mettez en place, eh ben, il faut le faire. Donc, ça veut dire il faut y aller. Vous voulez aller voir les gens dans les hôpitaux, eh ben, il faut d'abord le mettre en place. Et il faut y aller. Vous pouvez aller dans les hôpitaux, vous demandez seulement est-ce que vous avez des gens que personne ne rend visite. Je peux vous dire que vous allez. Ils sont même contents de vous montrer les gens que vous allez visiter. Ah, il y en a. Ah, il y en a. Vous en aurez. Il y en a qui vont vous insulter, qui vont vous chasser et tout. Il y en a. En prison, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. À un moment donné, la prison, je voyais prison, ça veut dire que les gens qui ont fait des choses mauvaises, vous voyez un peu, hein? Donc c'est ça qui revient souvent. En prison, c'est des méchants, c'est des malfaiteurs. Des... Est-ce que vous pensez vraiment que tous ceux qui sont dehors, ils sont mauvais? Quand j'y pense seulement, je vous dis alors, je vous remplirai 10 fois de prison avec les gens qui sont dehors. Oui, effectivement, ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas et tout. Mais en fait, le Seigneur ne nous demande pas d'aller faire des justiciers. Amen. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que là, c'est ça le danger. Quand vous allez vous approcher de ces gens-là, rappelez-vous de ce que c'est. Pourquoi je voulais qu'on lise des choses sur la justice de Dieu et tout. Et oui, c'est parce que quand on va commencer à parler du concret, on risque de basculer dans la justice de la loi. Si tu veux faire la justice de la loi, il faut obéir à toute la loi. C'est pourquoi Moïse a dit, hein, quand on l'a vu tout à l'heure, non, que c'est lui qui fera ces choses, vivra par maître. Donc ça veut dire que c'est lui qui fait, donc Lévitique 18, verset 5. Donc ça veut dire que c'est lui qui veut appliquer la loi, il faut qu'il applique toute la loi. Parce que c'est lui qui a dit que tu ne tueras pas, c'est celui qui a dit que tu ne voleras pas. Si tu voles, c'est exactement la même chose à celui qui l'a tué. Vous tous, vous êtes, ben, vous n'avez pas respecté la loi. Vous êtes des transgresseurs de la loi. C'est comme ça que la loi dit. Donc, on ne s'approche pas des gens comme ça avec la justice de la loi. On s'approche avec la justice de, par la foi en Christ. Le Christ, c'est quoi? Mais nous l'avons reçu, cette justice, par la foi. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la rédemption, le pardon de péché. Donc, c'est l'esprit qui nous anime là. L'esprit de pardon, l'esprit de miséricorde, la bonté de Dieu. Ce n'est pas aller juger les gens qui sont en prison. Quand on s'approche d'eux, vous pouvez trouver un violeur, vous pouvez trouver un meurtrier.
Ah, parce que si on vous dit qu'est-ce qu'il a fait cet homme, ah, il a tué sa femme, oh là, vous dites en lui là. En fait, c'est pas du tout avec cette approche-là que vous devez aller en prison. Sinon, vous n'arriverez jamais à aller en prison parce qu'en prison, ben, ils sont condamnés parce qu'ils ont fait quelque chose. Donc, l'approche déjà, quand tu vas là-bas, c'est l'Esprit de Dieu qui doit t'apporter. Sinon, c'est même pas la peine d'y aller parce que toi, et puis tu n'as pas l'air de montrer que tu veux vraiment demander pardon et tout. Tu es en train de m'expliquer encore qu'il était méchant. Vous voyez, parce que vous avez trouvé genre, ouais, il méritait ça. Il est en train d'attester que non, je peux rester ici, mais j'ai bien fait ce que j'ai fait. C'est pas du tout. Il faut. Tu n'es pas parti là-bas, c'est exactement ce que c'est réuni. Non, non, là, maintenant là, je suis venu, c'est pas pour juger, hein, c'est pour sauver. Amen. Amen. Donc nous, quand on va là-bas, ben, c'est pour présenter le salut. Amen. La justice viendra plus tard. C'est ça l'approche. Donc, oui. C'est vrai que par rapport aux prisonniers, peut-être que ce qui peut nous aider aussi, c'est de se dire que c'est notre prochain, c'est quelqu'un qui aurait pu être, par exemple, notre père, notre mère, notre fils, et là, on, tout de suite, on ne voit plus la personne comme « Ouh là là !» On voit peut-être quelqu'un qui a fait une erreur et effectivement, par l'amour de Dieu... C'est vraiment, il faut avoir vraiment la compassion. Parce que sinon, c'est très, très compliqué. Quand on te dit ce que la personne a fait, c'est... Waouh! Des fois, c'est très, très difficile. Alors, on va continuer. Et puis, alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu, t'avons-nous vêtu? Ou quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi répondra, leur dira, je vous dis en vérité, toute la fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, maudit, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'ai été nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'ai été malade en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors il répondra aussi en disant, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou avoir soif ou être étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas secouru? Alors il leur répondra en disant, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Regardez un peu comment il est dit. Je vous l'ai dit au verset 45, il leur répondra en disant, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, toutes les fois que vous n'avez pas fait, ça fait mal. Ça fait mal. Et ça donne à réfléchir. Parce que si on lit au début seulement ce que nous avons vu par rapport à ce que nous pouvons faire concrètement, on peut, sans se rendre compte, on peut dire non, non, moi je serai dans cette catégorie. Parce que sans le faire, on a l'impression que naturellement, le Seigneur doit te mettre dans cette catégorie. Naturellement, toi tu es fils du royaume. Mais en fin de compte, tu vas te rendre compte que non, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Ça veut dire que tu ne mettais pas, tu ne prenais pas du temps. Tu ne t'organisais pas pour pouvoir vraiment apporter assistance ou bien soutenir les faibles. Parce qu'il faut savoir, de la même façon, nous sommes là, il y a des gens que le Seigneur donnera les moyens et pas le temps. Ça veut dire que le Seigneur fera de sorte que ils auront tout le temps de quoi soutenir. Donc ça veut dire dans sa prière, le Seigneur dira, prends ceci, prends ceci. Donc le Seigneur bénira cette personne financièrement. Il faut savoir, parce que ça sera comme un don. Le Seigneur fera du sorte que tu puisses avoir des finances. Vous savez, les dons, hein, je le connais dans 1 Corinthiens, quand on dit que les dons que le Seigneur donne, c'est souvent pour les autres. Donc le Seigneur peut te donner des finances, ben, ça sera pour les autres.
c'est exactement comme s'il te donnait le service de la prédication, ou bien c'est pour les autres. Donc il y a des choses comme ça, il faut savoir que le Seigneur peut donner à quelqu'un les finances donc, pour s'occuper de ces choses. Concernant les malades et surtout la famille, nous par exemple, on est souvent sollicité par les membres de la famille parce qu'ils sont malades. Et souvent, on n'a pas le temps de demander à Dieu parce que c'est souvent, il y a une pression derrière. Je suis malade, je suis hospitalisée, pardon. Il me faut tant. Alors, donc, est-ce qu'il faut répondre à tous ces besoins ou je ne sais pas parce que. Alors, je comprends maintenant. Alors. Quelqu'un dit que nous sommes sollicités par les maladies de la famille, donc ça veut dire que financièrement. Oui, voilà, très souvent. Je sais que donc, je sais, vous pouvez capter. Oui. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, je vais le redévelopper. Je me suis rendu compte. Alors, regardez de la même façon assez souvent en Afrique. Alors, regardez en même temps que. Nous sommes sollicités pour envoyer l'argent. Alors, regardez maintenant quand il y a des deuils. Là, c'est la personne est morte, il faut sortir l'argent. Regardez ce qu'on dépense. Tu sais, c'est des valises, mais c'est 5 fois plus. Parce que les deuils, chez nous, en Afrique, c'est plus que des fêtes. Ça coûte très cher. On peut dire même en Europe, mais ça coûte très cher. On est très, très sollicité par. Oui, il y a des maladies qui sont fausses. C'est parce qu'on sait qu'il faut que tu envoies l'argent et tout. Alors, il n'y a pas de règles dans ces choses-là. Moi, dans les choses où il faut donner l'argent, il faut beaucoup prier. Mais justement, on n'a pas le temps. On n'a pas de temps pour. Si, si. Disons, dans tout le temps, souvent le Seigneur ne répond pas. Je peux dire, il faut beaucoup prier parce que sinon ils vont te dépouiller. Mais c'est ça. Il faut beaucoup prier. Vous savez, je sais pourquoi j'insiste sur le fait de la prière. Il faut beaucoup prier. Le Seigneur fera de sorte que tu seras même à un moment donné impressionné de voir comment le Seigneur fait de sorte que tu ne sortes pas l'argent. Tu seras impressionné comment il t'empêche de sortir l'argent. Quand ils veulent te dépouiller. C'est impressionnant comment le Seigneur fait. Il faut beaucoup prier. Ils ne veulent pas entendre parler de la prière. Oui, non, toi, non, tu donnes l'argent, sorte. Moi, je prie. Mais moi, par exemple, quand tu me dis je suis malade, quand je leur dis qu'il faut prier. Ils disent non, ou j'ai pas la foi, ou non, pour eux, c'est de l'argent qui compte. Moi, je prie de mon côté, mais eux, tu comprends pas. Ils vont prier pour demander à Dieu. Non, mais pas question, c'est que l'argent qui les intéresse. Alors, ils essaieront toujours, ça c'est, vous savez, c'est comme les gens qui demandent l'argent dans la rue. Non, c'est l'argent de la fausse. Vous savez, ils ont une manière. Quand on parle de la miséricorde là et tout, c'est pas réservé dans les assemblées, hein, c'est pas dans les églises. Hein, donc ça veut dire que donner l'argent à quelqu'un qui est pauvre, ça sera dans la rue aussi. C'est compliqué à un moment donné pour différencier. Alors c'est pourquoi je suis en train d'insister sur le fait qu'il faut prier. Il faut prier. Dieu te donne le discernement. Il faut beaucoup prier. Parce que tu passeras à côté à des gens qui ont vraiment des besoins. Oui. Il faut beaucoup prier. Oui. À l'époque, quand ça m'arrivait d'aller voir quelques SDF, tout ça, je préférais acheter plutôt la nourriture, leur donner, plutôt que de leur donner de l'argent, parce qu'il y en a qui peuvent acheter de l'alcool avec, ainsi de suite. Voilà. Après, bon, ça c'était ma conviction, hein, c'est ma conviction. Mais c'est vrai que bon, il y en a, en donnant de l'argent, ils peuvent acheter autre chose. L'alcool, ainsi de suite. Voilà, donc c'est pour ça que moi je préférais personnellement acheter. J'allais tout seul, j'avais des petits sachets où je mettais des trucs et je leur donnais directement et puis. Voilà. Il faut prier. Il n'y a pas de règle. Nous sommes dans la première des choses dans ces choses-là. Alors maintenant, le problème, c'est que les gens qui demandent, et tu n'es pas forcément préparé. Hein. Donc tu es dans le train, tu es en train de lire et tout, et puis quelqu'un rentre et puis il demande. Hein. C'est pourquoi il faut que nous sommes des hommes de prière. Il n'y a pas de règles. Je ne peux pas vous dire. Parce qu'on regarde dans l'évangile. Quand les gens venaient vers le Seigneur, on dira
Tu vois, il y en a d'autres, les gens faisaient taire. Et le Seigneur était compatissant, donc il savait. Oui. Très souvent aussi dans la rue, lorsque les gens demandent de l'argent, il y a ceux qui sont vrais qui vous disent j'ai besoin d'un ticket, achète, tu me donnes. Et qui vous disent je suis coincé vraiment, je ne demande pas de l'argent pour demander de l'argent, mais j'ai besoin de qu'on m'achète un ticket. Voilà, pour me dire, il est vrai. Voilà, parce qu'il y a ceux qui viennent vraiment pour. C'est un travail que ma mère. Il y a ceux qui sont en prêt, il prend toujours un train dans 10 minutes, donc il n'a pas de ça, on connaît aussi. Les règles. J'ai un témoignage par rapport à ça. C'est plus facile de distinguer le vrai ou le faux. En fait, j'ai un témoignage par rapport à ça. Un témoignage que j'ai raconté à peu de gens, mais peu importe. Donc, je travaillais à l'aéroport à Orly en tant que chauffeur de bus. Donc, j'amène les gens soit aux avions, soit quand ils rentrent au terminal. Bon, bref, il s'est trouvé que j'étais dans le terminal d'Orly Sud et j'allais chercher quelque chose à manger pour moi. Et je me suis retrouvé donc au McDo faisant la queue pour faire ma commande. Il y avait une seule personne devant moi et il y a un homme qui vient à côté de moi et qui me dit « Est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis dans le besoin, je dors là-haut et j'ai besoin de... j'ai faim, quoi, j'ai besoin de manger. » J'ai pris 2 minutes et j'ai demandé au Seigneur dans mon cœur en fait. Et le Seigneur me dit « Achète-lui. » J'ai entendu. Le Seigneur répond toujours en fait. Même dans ces cas-là, quand on n'est même pas obligé de prier à haute voix, on prie en esprit simplement, quoi. Et le Seigneur m'a dit, achète-lui à manger. J'ai pris une commande pour lui, j'ai demandé ce qu'il voulait manger. On a pris un menu, bref, c'est pas là qu'on veut revenir. Ensuite, je suis parti avec lui. On est descendu l'escalator, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment c'est fait, on a descendu l'escalator. Et là, j'ai parlé de Jésus. Je lui ai dit, voilà, est-ce que tu connais Jésus? Il m'a dit, oui, je connais Jésus, j'ai la foi en Dieu, etc. Et cet homme-là, il avait rendez-vous avec Dieu ce jour-là. Et en descendant l'escalator, on parle, etc. Bref, et je finis par lui demander, est-ce que tu veux recevoir Jésus dans ton cœur, là, ce soir? Il m'a dit, oui, je veux recevoir Jésus. J'ai prié pour lui, vite fait, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, et je suis parti. Bon, voilà, c'est un petit témoignage que je donne comme ça, pour donner un exemple, quoi. Je ne suis pas spécialiste dans d'aller donner aux pauvres, d'aller... En fait, il n'y aura pas de spécialiste dans ça. Vous avez vu quand on a lu tout à l'heure, le Seigneur dit, à chaque fois... Donc ça veut dire que les situations, c'est présentes. C'est pas vraiment bon, ouais. Les situations, c'est présentes. Pour que nous puissions poser ces actes. Vous savez, le Seigneur dit que... Vous savez, quand on parle de la justice tout à l'heure, dans Matthieu 5, verset 20, il dit qu'il faut que notre justice à nous surpasse celui des pharisiens. La justice des pharisiens, c'était quoi? Matthieu 5, verset 20. La justice des pharisiens, c'était sur les apparences. C'était dans l'hypocrisie. C'est pourquoi, quand on parle de la justice de Dieu, on veut rester concret. Que ce soit des choses réelles qu'on fait. Vous vous rappelez dans Matthieu 15, on va le lire. Matthieu 15, je lis à partir du premier verset. À partir du premier verset. Alors les scribes et les pharisiens vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et lui dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère,
Et il a dit aussi, celui qui maudira son père ou sa mère finira à la mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, tous ces dons j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas coupable, quoi qu'il n'honore pas son père ou sa mère. Vous annulez ainsi le commandement de Dieu par votre tradition, hypocrite. Et Esaïe s'est prophétisé de vous en disant, ces peuples m'honorent, s'approche de moi, de sa bouche, et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Vous voyez, le problème, c'est quoi? Dieu dit que tu dois apporter assistance à ton père et à ta mère. C'est des choses, vous savez, si on est dans les assistances où il y a beaucoup de jeunes, on leur dit, mais ces choses-là, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Oui, mon père ne prie pas, ma mère ne prie pas et tout. Dieu dit, on doit le faire. Et puis nous, on a toujours des justifications. C'est une sorcière ou bien c'est un sorcier. Et du coup, on dit, non, je préfère donner l'offrande, bien je préfère donner à telle chose ou bien l'offrande dans l'église. Hein, donc je parle par rapport à l'église aujourd'hui, parce que là, on parlait de je préfère donner à l'église l'offrande et tout, mais mon père... Du coup, tu annules la parole de Dieu parce que tu veux faire ce qui te plaît. Ses parents, même si c'est des sorciers, même si tu as des preuves parce que le Seigneur t'avait montré en songe ta mère en train de voler, ton père en train de voler, ou bien... On doit apporter assistance à ses parents. Je veux avoir une assistance des jeunes, c'est des choses, je suis obligé de leur dire ça. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient sorciers ou qu'elles soient sorcières. L'assistance à ses parents, c'est Dieu qui nous le demande. Ah si oui, il est sorcier, il va me bloquer les chances. Bon, parce que c'est des choses qu'on entend tout. On prie pour l'argent et puis on lui donne. On doit apporter assistance. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas à chaque fois quand on est opposé à quelque chose, on cherche des versets, on cherche des choses qu'on a vues dans des songes ou autres pour essayer de ne pas appliquer, pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Nous sommes un peuple de la lettre. Oui. L'assistance n'est pas que matérielle. Non, n'est pas. Non. L'assistance n'est pas que matérielle. Heureusement d'ailleurs. Visiter. Ça veut dire qu'il faut du temps. Hein, je parle de ceux qui sont à côté de leurs parents. En France, on le sait, hein, c'est une catastrophe. Quand on regarde les parents qui sont dans les maisons de leurs enfants, c'est une catastrophe en France. On dit, mais comment l'Italie, comment le Portugal fait? Les parents sont dans les maisons de leurs enfants. Parce que et ça commence à venir. Hein. Ah, ça va venir. Hein. Vous savez, quand il y a quelque chose où... l'apostasie ou bien le péché doit abonder, je peux vous dire que ça va aller vite. Le Portugal, l'Italie, ils vont faire des hommes de vieillards, ils vont mettre leurs vieux dans les machins bientôt. Ça va venir en Afrique. Mais vous savez, nous, on n'a pas eu le temps d'avoir des cabines téléphoniques, on est tout de suite dans des WhatsApp. Donc ça veut dire que ça va aller vite, ces choses-là. Ah oui, là où il y a le péché, ça va très vite. À une vitesse, on n'a même pas eu le temps de creuser pour mettre les cabines téléphoniques, mais on est déjà sur le téléphone portable. Ici, il y avait des cabines téléphoniques avant. Mais nous, on a eu très peu de temps, donc on est tout de suite à WhatsApp. On peut voir Imo, on voit même l'autre. Ça va très vite. Là où il y a un peu de péché, non, ça va très vite. Donc nos parents, alors là, on n'est pas dans la même situation économique. Donc on se retrouvera, hein, les pauvres. Donc là, on parle des pauvres en Afrique, hein, parce que le thème, c'est quand même que notre responsabilité par rapport à la pauvreté, c'est que comme il y aura une forte poussée de la pauvreté chez nous, donc ça sera même pas des... Ça sera pas des... comment on appelle ça ici? Les endroits où on met là où il y a des vieux. Ça sera pas une maison de retraite chez nous, ça sera vraiment des hospices là où on va les parquer parce qu'il y a la personne se trouve tout seul là-bas, ses enfants sont partis. Ça sera pas forcément le veuve, et ça sera un veuve mais qui a des enfants, mais que les enfants ne s'en occupent pas. Ça va venir de plus en plus, donc on aura de plus en plus besoin de nous. Amen. Amen. Et c'était, ça va venir de plus en plus. Donc ça veut dire que nous aurons de plus en plus de travail. C'est là que je vais vous amener en fait. À comprendre que, en fait, quand le travail ne va pas en diminuant,
ça va assortir. Donc, nous aurons de plus en plus de travail. Donc, ça veut dire qu'on aura besoin des choses qu'on a dit là. Plus de prières pour ça. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de besoin des finances. On aura besoin plus de structures pour s'occuper de ces gens. Donc, il y aura beaucoup plus de monde pour travailler dans ces structures. Vous travaillez dans, il faut dégager des temps. On aura de plus en plus besoin. Elle est grande. C'est impressionnant. Le Seigneur m'a parlé clairement à notre monde en me disant que voilà, l'État, et vu la conjoncture, il est incapable de le faire. Ça veut dire que même si l'État, les pays développés, veulent faire de l'État, même s'il veut, vous voyez un peu, pour s'occuper des SDF la nuit et tout, on te dit, tu dis, non, je fais mes 35 heures dans la semaine, il faut un remplaçant, il faut ma retraite et tout. C'est pas possible. Même si l'État veut, il ne peut pas. Il a dit carrément, c'est à vous. Ça veut dire, quand on le fait, c'est pourquoi je peux me permettre de dire carrément, priez seulement, mettez les structures, les séances, vous accompagnera. Amen. C'est aussi simple que ça. Je ne me prends pas la tête de céder. Je crois que Dieu m'a dit. En fin de compte, je ne me prends même pas la tête d'aller réfléchir. Non. L'État, même s'il veut, parce que les pauvres, vous en aurez toujours. Hein, c'est le Seigneur qui vous rappelle. Les pauvres, vous en aurez toujours. Donc, en fin de compte, ces choses-là deviendront, on aura de plus en plus. Si on ne le fait pas, vous avez vu, Coluche l'a fait. Si on ne le fait pas, les autres le font. Alors, Sans Jésus. C'est ça la différence. C'est ça toujours la différence. Les autres le font. Les malades viendront. Les gens dans la rue, il y en aura de plus en plus. Les réfugiés, il y en aura de plus en plus. Ça veut dire qu'à un moment, on se retrouvera dans ces structures-là. Comment faire pour aller les voir? Comment faire pour aller donner des habits? Ça veut dire les vêtir? Comment faire pour aller leur rendre visite? Il y aura des malades là-bas. Il y a des gens, vous irez là-bas en pensant que vous allez faire quelque chose, vous allez les retrouver dans la prédication, vous allez vous retrouver à prier pour certains qui sont malades, certains qui sont possédés et tout. Vous allez vous retrouver dans les situations, et sinon vous mettra dans les situations, vous les découvrez sur place. Amen. Amen. Ça, c'est du concret. Alors, toujours par rapport aux pauvres, vous voyez, donc là, on voit l'assistance dans la famille. Donc là, on a parlé des parents. Je lisais un peu, je voyais un peu quand Paul parlait à Timothée par rapport aux veuves. Il dit les véritables veuves. Hein, Timothée 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 16. Voyez un peu comment Paul parlait d'une véritable veuve. Donc ça veut dire qu'on parle des orphelins. Là, c'était par rapport aux veuves. Il dit quelque chose, parce que là, ils avaient une structure pour s'occuper. Il dit, mais non, les vraies veuves doivent avoir un certain âge. Mais il dit, mais ces veuves-là, il faut voir aussi s'ils ont la famille. Et puis, autre chose qu'il dit, mais il faut aussi que ces veuves aient lavé les pieds des disciples. Et tout. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous occuper des gens qui ont travaillé pour le royaume. Donc, ça veut dire que dans les assistances qu'on va faire, les frères et sœurs dans la foi, aussi c'est important de pouvoir leur apporter assistance. Amen. Donc les véritables frères et sœurs qui sont dans les afflictions, qui ont des problèmes, que ce soit maladie, donc à chaque fois on reviendra sur un frère malade, vous savez, même un frère en prison, un frère malade, un frère qui a des problèmes qu'il faut aller le visiter, qu'il faut soutenir. Alors là, on est en train de parler comme ça, comme s'il n'y avait pas de structure. Alors, ça peut être dans les cadres d'une structure, ça peut être dans les cadres d'une église locale. Donc, porter assistance. Donc, c'est important. C'est des choses qu'on doit vraiment voir. Quand il parle aux veuves comme ça, parce que, à un moment donné, je vois un peu cette veuve qui a vraiment travailler pour
pour les frères et sœurs, dit que oui, cela, il faut qu'il soit dans la liste de veuves de l'assemblée. Quand dans les assemblées, on peut faire une liste. Dire que nous avons pris en charge ces personnes. Ils sont pris à charge par l'assemblée locale. Ça veut dire que c'est plutôt des choses qu'on parle entre les gens qui dirigent les assemblées. Donc ça veut dire que c'est des choses qu'il faut, il faut tenir compte de ça. Et puis, il y a un autre volet. Quand j'étais en train de regarder, mais là où le Seigneur parle des pauvres, le Seigneur a donné une histoire dans Luc. Il dit quand tu organises une fête, parce qu'on a tendance à inviter. Voilà. Tu invites les riches parce que toi aussi tu seras invité d'un. Parce que c'est un enseignement que je vais tirer par là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ce que nous allons faire, ne cherchons pas à avoir l'appareil. Et on aide les gens parce qu'on sait qu'un jour ils pourront t'aider. Ah, c'est ça l'enseignement que je voulais tirer dans ça. Donc, oui. Quand on parlait des structures, est-ce qu'un chrétien peut monter une structure pour les personnes âgées, par exemple, comme des maisons de retraite? C'est très réglementé. Mais je pense que oui. Alors, non. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les maisons de retraite, c'est des gens qui ont payé, qui sont subventionnés. Ces personnes âgées payent, payent par leur retraite et tout pour qu'on puisse. Ce que tu me dis, c'est qu'on puisse s'occuper de lui, je pense. Donc, il faut voir un peu sur le plan de la loi. Je ne peux pas te le dire comme ça et tout, parce que j'étais en train d'étudier par rapport à ce que le Seigneur m'avait demandé. C'est très compliqué. Je suis en train d'étudier aussi un autre volet par rapport à ces choses-là. Parce qu'en France, il y a les orphelins, c'est. On va un peu comment. Les agréments aussi. Comment les atteindre, parce qu'ils sont dans les familles d'accueil et tout, donc c'est très très compliqué. Comment faire que l'évangile puisse les atteindre? C'est ça mon problème, c'est que l'évangile atteint ces gens-là que on le voit même pas, ils disparaissent dans les familles d'accueil. Comment faire pour leur amener l'évangile? J'étudie encore. On peut être famille d'accueil aussi, en tant que chrétien. Oui. Si, mais tu auras deux enfants. Oui, ça va être des structures comme ça, comment rentrer et puis venir avec l'évangile. Des structures comme ça avec les enfants. Ça étudie. Juste à propos de ça, parce que je suis assistante maternelle et j'ai voulu être assistante familiale. Pendant l'enquête à la maison, pour la question quelle religion, j'ai dit non, que j'étais avec le Seigneur Jésus, et là, ils m'ont refusé l'agrément, parce que quand ils vous refusent l'agrément, ils mettent le motif pourquoi ils vous refusent. Ils ont signé que non, elle dit que Josie. Et là, en ce moment, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme vous avez dit, que comment ils faire? Ils ont dit que parce que vous moi, j'ai Jésus. Parti, j'ai pris Jésus, quoi. Donc, ils ont mis ça, le refus, non? Elle prie Jésus, donc, non, on ne peut pas accepter. Et il y a une collègue aussi, qui est assistante maternelle, et elle me dit non, il ne fallait pas le dire, parce que mon mari est pasteur. Là où j'ai pris, la femme du pasteur l'a eu, elle n'a pas dit qu'elle priait Jésus, qu'elle était chrétienne. Elle a dit non, je n'ai rien à voir avec le Seigneur. J'ai dit, mais moi, je ne pouvais pas. Alors que je ne peux pas vous dire que. Je ne peux pas m'avancer sur des choses que je ne connais pas. On n'a pas tout ça. Moi, je ne sais pas. Oui. Je voulais interpeller la sœur, mais je crois, vous n'avez pas mis Jésus quoi, dans votre projet.
Ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Je suis appelé à autre chose. Ce n'est pas eux qui ont décidé, c'est le Seigneur qui a décidé. Non. Non, il fallait mettre Jésus comme projet. Il demande on est dans quelle religion, je connais le dossier, il demande quelle est la religion qu'on pratique. Oui, déjà. Et, voilà, et elle, elle a dit qu'elle ne pratiquait pas la religion. Il fallait demander quoi, Jésus, si elle pouvait quoi le faire, ce projet. Oui, ça c'est après c'est la prière en amont, avant. Mais par exemple, parce que je voudrais qu'on soit concret par exemple. Par rapport à un enfant musulman où c'est arrivé, si vous avez un enfant musulman et que ses parents vous interdisent de ne pas venir, je ne suis pas obligée, même chez moi, et que je prie le Seigneur, quoi. Je tiens, et c'est noté sur le papier. Oui, je veux dire, pour être concret par rapport à ça, parce que c'est une question qui, ça revient dans différentes... Si, ce qui me vient à l'esprit, qu'on dit simplement, on est chrétien. On est chrétien, oui, je suis chrétien et que je ne suis pas obligé d'aller à l'église. Même chez moi, je peux rester et prier. Est-ce que ça, tu l'as dit verbalement à la personne qui est en face de toi? Oui, parce que la question, elle est simple. La question, c'est-à-dire, quelle est la religion? Comme je suis un peu avec les enfants, quelle est la religion qu'on est? On peut mettre, je suis chrétien. Maintenant, la personne te dit, bon, tu reçois, on sait qu'on est en mission. On va me donner peut-être des enfants qui sont musulmans ou autres. Ma mission, c'est d'accueillir ces enfants, qu'ils sont musulmans ou pas. Mais j'ai un but. Pendant qu'ils sont là, j'ai besoin de les présenter Jésus. Ça, c'est voilà, je suis chrétien, ça passe. Oui, mais vous êtes chrétien. Sauf que les chrétiens ont les bâtiments. Est-ce que si les parents musulmans vous interdisent d'amener ces enfants-là dans les bâtiments, comment vous allez faire? C'est la question. Je les amène pas. Je reste chez moi et je prie. Parce que tu peux faire ta mission chez toi, je les amène pas. Oui. C'est ce que j'ai répondu. J'ai dit, je suis pas obligé. Il faut avoir beaucoup de sagesse, hein, pour pouvoir approcher. C'est pourquoi les pères quotidiens font des séances de formation, hein, par rapport à la mise en place des structures et tout, parce que c'est compliqué, on est confronté à ces choses dans la administration pour faire ces choses. Mais nous sommes d'abord des chrétiens, il faut rester sage pour pouvoir gagner les autres. On ne vient pas avec des versets. Ça sera encore beaucoup plus difficile, hein, dans la vie. On sera obligé de mettre en place des stratégies et tout. Je ne parle pas des régnés chrétiens. Je parle de mettre des stratégies parce que pour aller dans les prisons, il faut des structures. Pour aller dans les hôpitaux, il faut des structures. On mettra des structures. On ne dira pas que nous ne sommes pas des chrétiens. Non, on dira que nous sommes des chrétiens. Et les seigneurs nous accompagneront. Je suis persuadé qu'on sera obligé de continuer à faire ces choses. Et en disant qu'on est chrétien. Le Seigneur nous dit bien d'être réalisé comme les serfs, mais pour réaliser les Russes. Non, c'est plutôt d'être prudent. Prudent, voilà. Alors, quand j'ai parlé de ce qui était écrit dans Luc 14, je vais revenir à ça. Alors, on ne doit pas faire des choses pour en tirer un gain, des gains immédiats. Voilà, nous aimons. Les choses, parce que j'ai fait qu'ils puissent avoir l'appareil. Hein. Donc là, je donnais l'histoire de l'invité, que je disais, oui, si tu peux, fais une fête, appelle les pauvres. En fin de compte, c'est ce qu'il voulait dire. Appelle les pauvres, pourquoi? Pour que eux, ils ne pourront pas organiser des fêtes pour vous. Hein. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est quoi? C'est que nous ne devons pas faire des choses pour être vus, pour recevoir l'appareil, pour qu'on nous rende ce que nous sommes en train de faire. Parce que si tu fais ces choses-là, tout ce que nous avons dit ici, pour que tu sois vu des hommes, tu as ta récompense. En fait, c'est comme si tu perds tout. Regardez un peu tout ce que tu peux, tout ce qu'on peut faire. On prie et tout, on va là-bas et on amène l'orgueil. Tu perds tout. Tu fais ces choses-là pour être vu. Tu perds tout. Ça ne sert à rien.
C'est beaucoup de sacrifices pour rien. Le travail de Dieu. Et puis, les prochains, là, nous voyons dans l'histoire du Samaritain, les prochains, ce n'est pas forcément dans nos bâtiments. Donc, quand nous sommes en train de parler des pauvres, là, ce n'est pas réservé aux chrétiens. Beaucoup de musulmans aussi dedans. J'ai dit exprès musulmans pour que nous ne soyons pas sectaires. C'est un travail, nous avons vu, que le Seigneur est en train de dire, parce qu'il est bon, nous devons manifester la bonté. La compassion, nous devons la manifester à tout le monde. Vous voyez, quand on parle de l'histoire du Samaritain, là, qui passait et tout, on vous dit, hein, l'homme de Dieu passait et tout, le pasteur passait, le chrétien passait, ils sont passés où ? On dit un païen passait. Et le Seigneur dit, fais comme cet homme, donc fais comme ces païens. Le Seigneur nous pousse à faire à poser certains actes comme des païens. Mais ce n'est pas le même prix. Ce n'est pas le même prix du tout. Donc il y a des actes que nous serons amenés à poser comme des païens, mais ce n'est pas le même prix. Parce que notre Seigneur à nous, il n'oublie jamais les services que nous rendons dans le royaume. Amen. Jamais le Seigneur oublie. Voilà. Donc je voulais demander qu'on se lève, qu'on fasse concrètement le premier point. Donc nous allons prier. Nous allons prier pour les pauvres. Pour les autres. Les orphelins. Pour les veuves. Amen. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier que le Seigneur puisse vraiment puiser des compassions envers les pauvres, envers le veuve, envers les orphelins. Que le Seigneur puisse toucher, puisse penser à ces hommes, ces femmes qui souffrent, qui sont malades dans les hôpitaux, qui sont dans les prisons. Nous allons prier que le Seigneur puisse sauver encore à travers nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Éternel, notre Dieu, nous Thank you.
Seigneur, qui donnent leur temps, qui mettent du temps, qui mettent leur cœur pour pouvoir porter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Nous allons prier pour ces hommes et les femmes qui les touchent encore, qui puissent encore disposer des temps pour les pauvres, les orphelins et les veuves. Au nom de Jésus-Christ, de la famille, prions. Alléluia. Oh, le Dieu qui prie, Seigneur, Seigneur, pour la femme, tu es le Père qui est en train de faire des morts, tu es le Père qui est en train de faire des te toucher, puisse encore t'éclairer sur ce qu'il veut que tu puisses faire.
pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins. Que le Seigneur puisse encore déverser la compassion, la miséricorde dans nos cœurs, pour que nous puissions faire son œuvre avec lui, au nom de Jésus, et là-bas, nous prions. Alléluia. Oh, le Seigneur, Père, Seigneur, je viens de toi, Seigneur, de toi, Père, de toi, Papa, oh, Seigneur, de la joie, parce que dans nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, alléluia, le royaume de Dieu, la joie, le Seigneur, le royaume, Seigneur, je prie, Papa, déverse encore, Seigneur, je prie, Seigneur, oh Dieu, Papa, Seigneur, ne laissez pas, Seigneur, de la joie, Papa, que cette assemblée, Seigneur, de la joie, Papa, nous sommes. Jésus-Christ.